Bonjour et ravi de vous retrouver pour ce point d'actualité sur les marchés financiers en compagnie aujourd'hui de Philippe Desurmont de SMA Gestion. Philippe, bonjour. Bonjour Bogdan, Vous allez bien? très bien, merci et je vous souhaite tout d'abord une très bonne année Et et plein tout de d'autres mieux, choses. absolument. Bah vous aussi, merci beaucoup en tout cas. Merci. Qu'est-ce que vous retenez de 2014? Alors de 2014, moi je retiens trois faits majeurs. Le premier, c'est la croissance mondiale qui reste relativement poussive, avec un taux de croissance anticipé autour de 3,3%, ce qui est relativement modeste. Dans cet environnement morose, les États-Unis qui tirent le mieux leur épingle du jeu. En revanche, le Japon et l'Europe ont du mal à sortir de leur marasme. Et peut-être le fait le plus important, ce sont les pays émergents dont la croissance recule très sensiblement. D'accord. Autre chose? Alors, le deuxième fait marquant, à mon sens, c'est l'inflation qui ralentit un peu partout. Et cela, conjugué à la faiblesse de la croissance, augmente le risque de mauvaise déflation. Non, moi je fais la différence, je différencie la bonne inflation de la bonne déflation, pardon, de la mauvaise déflation. Hein, la bonne déflation, c'est lorsque par exemple vous avez une innovation technologique qui baisse les prix et qui peut générer un supplément d'activité. D'accord, ça c'est bon. Voilà, ça c'est bon. Mais Qu'est-ce qui va clairement mal? aujourd'hui, ce qui n'est pas bon, la mauvaise déflation, c'est quand on conjugue faiblesse des prix et faiblesse de la croissance. Or très clairement aujourd'hui, nous faisons face à un risque de mauvaise déflation, notamment en Europe. Autre chose? Alors oui, le troisième fait marquant, à mon sens, et peut-être le plus important, ce sont les niveaux extrêmes atteints par les taux d'intérêt. Hein, aujourd'hui, le phénomène touche tous les types d'émetteurs, toutes les échéances. Alors par exemple, les obligations d'État allemandes, entre le jour et 5 ans, les rendements sont aujourd'hui négatifs. Hein, ce qui veut dire que les investisseurs payent d'une certaine manière l'État allemand pour leur prêter. Ce qui est quand même une situation assez extraordinaire et, pour tout dire, malsaine. Alors, comment est-ce qu'on relie tout ça au marché action? Les marchés actions se sont relativement bien comportés durant l'année, mais qu'ils ont surtout été soutenus par le niveau des taux d'intérêt et par les liquidités. Et qu'en revanche, ça n'est pas la croissance des bénéfices qui a été relativement molle, Ça a quand voire. même pas rigolé pour tout le monde hein, sur les marchés actions. Alors effectivement, les marchés actions se sont bien comportés en moyenne dans le monde. En revanche, ce qu'on constate, c'est que les marchés européens continuent à sous-performer, puisque la performance en moyenne, encore une fois, est flat au cours de l'année, alors qu'aux États-Unis, le marché actions, Standard & Poor's, a gagné un peu plus de 10%, 12,5%, si je ne Alors, dis pas de bêtises. vous avez très bien résumé l'année 2014. Ça, c'était de la théorie. On y était tous. En pratique, qu'est-ce que ça a donné pour vos fonds? Nos performances ont été globalement bonnes au cours de Ah, l'année. bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais absolument, c'est Expliquez. une bonne nouvelle pour 2014. Donnez-moi des détails, des bons exemples. Voilà, alors, sur nos fonds de taux d'intérêt, nos produits de taux, là, on a mené une politique de gestion relativement prudente, hein, en regard de ce qu'on vient de dire sur le niveau des taux d'intérêt. Donc, on a maintenu des niveaux de sensibilité relativement faibles. Sur les produits, les fonds actions, donc là on a réalisé vraiment de bonnes performances, hein, Qu'est-ce que vous on appelez les peut bonnes dire ça. perfs? Alors on gère selon deux stratégies, hein, une stratégie directionnelle et on fait également de la gestion par arbitrage. Sur les stratégies directionnelles, notre fonds Bâti Action Investissement a dégagé une performance supérieure à 11%, En 11,18% 2014? en Ah oui, 2014, oh ouais, bon, donc c'est ce bien, qui effectivement d'accord. correspond à une surperformance assez importante par rapport à la fois à son indice de référence et à ses principaux Ben concurrents. ouais. Vous avez des fonds d'arbitrage aussi. Alors Qu'est-ce que ça a donné là? absolument. Alors, on a aujourd'hui un fonds d'arbitrage qui s'appelle Bâti Action Arbitrage, qui est de l'arbitrage, comme on dit dans le jargon, neutre au marché. Donc, qui est une stratégie d'investissement qui est intéressante, hein, dans un monde où l'argent ne rapporte plus rien. Ce sont des fonds qui développent un risque relativement limité, avec une très faible volatilité, et donc qui permettent une très faible sensibilité également à la volatilité du marché. Donc, ça permet de gagner de manière relativement régulière entre 2 et 4%. Nous, en tout cas, c'est notre objectif. Et vous l'avez fait en 2014 ou Alors, pas? oui, tout à fait, on est en Ah tout ouais, cas d'accord. dans cette fourchette, puisque Bâti Action Arbitrage a gagné un peu plus de 3%, Donc, il faut en 3,8% avoir environ. encore pour cette année. Oui, absolument, on pense que c'est une stratégie de gestion qui reste tout à fait pertinente et intéressante dans l'environnement de taux d'intérêt extrêmement faible. Alors, deuxième point sur les stratégies d'arbitrage, on vient de lancer un nouveau fonds qui s'appelle Bâti Action Dynamique, D'accord. mais qui, lui, développe une stratégie d'arbitrage avec un biais directionnel.
hein, donc qui pourra être exposé au marché action, ou alors se couvrir en totalité en fonction des opportunités d'investissement que nous rencontrons sur le marché. Ça sert à quoi? C'est quoi l'objectif de ce fonds par rapport à tout ce que vous avez? Parce que j'ai l'impression que vous avez déjà bien... Alors, l'objectif de ce fonds, c'est qu'en fait, vous pouvez soit, en investissant chez nous, être investi à 100% sur les marchés actions, et donc si vous pouvez supporter la volatilité, et dans ce cas-là, vous choisissez Bâti Action Investissement, ou alors, vous, à l'opposé, vous choisissez d'être totalement couvert, ou quasiment totalement couvert contre les variations du marché. Dans ce cas-là, vous choisissez Bâti Action Arbitrage, où vous pouvez choisir une solution qui se situe en termes d'exposition au marché action entre les deux. D'accord. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez choisir Bâti Action Dynamique, qui aura une exposition nette au marché qui pourra être comprise entre, en gros, zéro, donc être totalement couvert ou être éventuellement totalement exposé. Je crois que vous avez aussi des fonds matières premières. Vous avez dû déguster, là, non? Eh bien, non. Ah bon? Je dois dire que... Avec tout ce qu'on a vu en 2014, où le Non, absolument. Donc, si on nous gérons, nous commercialisons un fonds qui s'appelle Bâti Matières Premières, qui a comme spécificité de pouvoir être long, d'une part, mais également de pouvoir être short et également de pouvoir faire des arbitrages. D'accord. Nous avons globalement plutôt été méfiants sur les matières premières, donc nous avons mis en place un certain nombre de positions vendeuses, notamment sur le pétrole, dont nous n'étions pas du tout investis. D'accord. Nous étions même vendeurs du marché du pétrole et d'un certain nombre de marchandises, comme par exemple le cuivre. Le fonds s'est apprécié d'un peu plus de 3,5%. C'est pas mal, ouais. Voilà, alors que la quasi-totalité de ses concurrents ont enregistré une performance négative. Philippe, merci beaucoup. Merci Bogdan.